Eh bien, salut les amis, c'est Hugo les amis, on se retrouve pour le 13e épisode sur la série Let's Play, donc Spin Tire Mud Runner. Je vais y arriver les amis, hein, je bégaye, c'est abusé. Du coup, la dernière fois, on a livré avec le C6511 à la série. J'ai même pas vu qu'il y avait 111, je crois que j'ai dit 11 dans toutes les vidéos. Bref, on avait frôlé la panne de carburant les amis, vraiment, quand je dis frôler, enfin on l'a fait tomber en panne tout simplement. Heureusement, on avait débloqué le C4320, voilà, qui est un camion citerne. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait prendre ce camion-là, donc le D535, c'est le camion ultra solide qu'on a débloqué dans la dernière vidéo, et qu'on allait tout simplement découvrir tous les points de vue de la map, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai décidé dans cette vidéo, et pourquoi pas du coup aller chercher du bois ou faire le plein avec... je sais pas, ouais, je sais pas, parce qu'en mode simulation, du coup, il faut la grue pour charger les trucs. Je sais pas si on peut charger avec le K700 les rondins. Alors ça, c'est une question, une très bonne question. Est-ce qu'on n'a pas débloqué des points de... Non, alors les points de chargement ne sont pas des points de garage, du coup, en fait, je tourne direct après l'épisode 12, du coup, je sais toujours pas comment on débloque des points de garage. Je vais regarder du suite sur internet, c'est ça, hein, c'est des points de garage. Un point, attendez, je vais aller sur le C325, du coup les amis, hein, début de vidéo, un peu des points de garage. Alors, point de garage, spin tire, ok, on va voir, hein, tout simplement les amis. Salut, ok, ça c'est du 2014, du coup je sais pas, si je tape Mud Runner, peut-être ça va... Ouais, ça me sort du 2014 toujours. Ok, bon. Ben on va faire 100. Je ferai une recherche plus approfondie hors vidéo. Là, je vais arrêter de tourner après cet épisode. Du coup, voilà. On est parti, les amis. J'avais démarré le moteur, il s'est éteint, bâtard. Oula, il fait un bon bruit celui-là. Ok, j'ai remarqué aussi en vidéo ce camion, les gars. Il a une capacité de carburant de 600 litres. Alors là, on va faire le plein, c'est bon. Après, peut-être qu'il consomme énormément aussi. Ce qui m'étonnerait pas. Ce qui m'étonnerait vraiment pas. Mais du coup, avec ça, je pense qu'on peut charger des rondins lourds. Et ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut... Non, du coup, si on n'a pas débloqué le garage, on a débloqué qu'un garage. Ouais. J'allais vous dire, si on a débloqué le garage, on va le réparer, mais non, il nous faut un camion utilitaire. Et le camion utilitaire, je crois qu'il est au premier garage. Là, on en a même pas dans cette partie, je sais pas. Allez, on va passer la seconde et la troisième, puisque ce camion est équipé de 3 vitesses, juste. Voilà, ça consomme rien. 5 litres par minute, quand on est à haute vitesse, donc ça fait plaisir. Ça consomme rien, ça fait pas beaucoup de bruit, hein, non plus. Hein. Je pensais à un truc plus brillant, voyons l'intérieur. Ok, l'intérieur un peu... Ok, donc là on a un point d'aiguillage du coup. Ouais. D'accord. Donc là on arrive au point de vue en face. On va continuer sur la route. Hein. Ah, j'ai calé. Ok, donc là apparemment il y a un truc, ça va vers où ça? Je sais pas. Il y a un lac. On va pas s'aventurer là-dedans. J'aimerais bien juste aller au point de garage. Hein. Oh, point de garage, point de vue. Ah ouais, je suis obsédé par ces points. Qu'est-ce qui... Oh non, j'ai pété le camion. Me dis pas que je l'ai pété. Oh, heureusement qu'il peut subir 800 de dégâts. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est vrai qu'à de vitesse, faut faire gaffe avec un camion comme ça, de ce gabarit. Ah, je pense que c'est à gauche le point de vue là, non? Ah ouais, je m'en suis éloigné. En fait, l'eau c'était peut-être pour ça. Je vais passer en automatique, hein, vous savez comment on va se faire chier. Puisque le mode de vitesse manuel, ça sert juste au blocage différentiel avec un camion comme ça. Est-ce qu'il monte sur les arbres? Non, il monte pas sur les arbres, les amis. Est-ce que c'est un camion escaladeur? On sait jamais. Allez, on voit des traces d'abîmure là. Je sais pas si ça se dit l'abîmure, les gars, mais moi je vous invente des mots. Des traces d'abîme, d'abîmation, d'abîmité. Ouais, j'arrête de dire de la merde.
Mais du coup, je sais pas comment on dit, avec abîme, des traces d'abîmage, des traces de dégâts, voilà, tout simplement. On va pas s'emmerder à dire abîme. Je vais peut-être passer à, finalement à droite. Je voyais ça moins large, mais en fait, je pense que c'est plus large. C'est vrai qu'il est... Il est costaud ce camion, les amis, il passe partout. Et on vient débloquer. Ok. Bon. Je suis vraiment un con, les gars. Je suis vraiment un con, c'est pas possible. Il y a un mec pour faire ça. Faut... Putain, en plus, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu que j'arrive vite, j'ai freiné, hein. Mais j'ai freiné trop tard. Bref, on n'a pas de. Faut que ma utilitaire. Mais non, j'ai fait que des camions. Et non, j'ai fait que des camions de rondins. Putain, j'ai été con à faire ça aussi. Putain, un camion utilitaire, c'est la base. C'est la base. Oh, aïe. Je suis coincé là. Parce que du coup, ça me ferait repartir. Ouais, après, on peut revenir par là, du coup, je pense. Ouais, mais ça me ferait repartir avec un camion là-bas, hein, au garage, tout simplement, pour de l'utilitaire. Est-ce qu'après. Ouais. Parce que là, ce que je fais, c'est du bonus un peu. Mais. J'en aurais besoin de ce camion, j'en aurais besoin. J'en aurais besoin. Bon, on va essayer d'aller avec le K700 chargé, le B131. Lui, il est pas cassé, ça c'est sûr. Et il est full, full life, full tout ce que vous voulez. Ah ok, volant à droite ici. D'accord. Bah oui, si on jouait sur ça, si ça fait plaisir, je sais même pas, ouais, on peut monter à gauche. Il couine un peu, hein. La courroie de district, les gars, il faut refaire, hein. Est-ce que c'est... Je vais par là, les gars, je sais même pas si... Ouais, c'est par là, putain. J'aimais comment il se tourne, en tout cas, avec l'axe au milieu. Allez, il faut tirer, garçon. C'est vrai qu'il est costaud, celui-là aussi, il passe partout, hein. Il passe vraiment partout. Regardez-moi ça. Si j'enlève la transmission intégrale, il patine ou pas? Ouais, un peu. Mais pas des masses quand même, hein. Il passe partout, les gars. Il n'y a que dans les codes qu'il doit galérer. Ouais, bon, on va mettre la transmission intégrale parce que ça va 10 fois plus vite, mais... Je pense qu'en se treillant et tout, il y a moyen. Mais je sais pas comment récupérer les rondins avec ça sur le... En fait, il y a une question aussi... que je me pose un peu, c'est comment... non, c'est pas comment, c'est... Est-ce qu'on peut charger les camions en dehors de leur... en dehors de leur zone du kiosque? Parce que franchement, là, le kiosque, les gars... Je sais pas si vous voyez la gueule, mais... Tu peux pas mettre un camion... à moins d'avoir une tronçonneuse, mais les gars, c'est pas farming, quoi, donc... Je vais juste tourner la caméra parce que là c'est horrible, je vois pas ce que je fais. Je veux tourner cette putain de caméra. Alors ça, ça franchement c'est... Quand on la gère bien, ça doit être bien, mais putain qu'est-ce que c'est galère sinon. Ok, donc ça, ça élève. Ça fait quoi ça? Putain. Si je la coince. Bouger la pince. Voilà, ok. Ah le bordel. Oh le bordel les gars, ça doit être... Non, on peut pas prendre sur le casque à rondin avec ça. Je pense qu'on se fait tout bugger. Non, on peut pas prendre avec ça. Bon. On va se casser d'ici. Oh le bordel, putain, s'il faut que je revienne à chaque fois avec le camion orange, putain, mais on va en faire des millions d'allers-retours, quoi. C'est 6511. Est-ce qu'il n'y en a pas un plus près, kiosque?
que c'est pareil. Ouais, celui-là, je pense qu'il est plus près si on prend la route du coup. Mais c'est pareil, je suis en train de capter. De toute façon, le point d'écuage sera fermé là. Ouais, 136 points de réparation. C'est quoi ça? Comment ça, 136 points de réparation? Mais non. Mais non, on peut se le réparer comme ça. Ok, c'est le feu. Bon, maintenant, il faudra faire gaffe, mais... Oula. Ah ouais, ça fait l'effet d'artifice, comme l'autre. Ok, on peut le réparer comme ça fait plaisir, mais bon, ça me débloque pas tous les machins, donc bon. Enfin, c'est vrai que c'est un peu chiant, du coup, ça. C'est légèrement un bruit chiant quand tu conduis, quoi. T'as l'impression qu'il y a un feu d'artifice à côté de toi. Mais bon. J'ai qu'à pas faire le con, hein. Je suis arrivé dans la machin, t'as un seul mec qui fonce dans un truc. Enfin bon. On va pas revenir là-dessus, les gars. Vous pouvez me défoncer en commentaire, vous pouvez m'insulter, là. Je sais même pas où je vais, quoi. C'est... On s'enfonce dans la forêt, les gars, c'est... Oh, ferme ta gueule, prends, claquer comme ça là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est un feu d'artifice, c'est un festival de machin. Oh, mais oh, les roues, pareil, il y a bug. Ah ouais, il disait on rencontre des problèmes de direction. Ah ouais, les roues elles tournent toutes seules. Par où c'est là? Merde, putain, je suis à la droite. Ok, ah ouais, là je peux pas tourner. Putain, c'est galère. Hein. Regardez, les roues tournent toutes seules là. Là je touche à rien. Putain. En fait, les roues tournent à chaque fois toutes seules vers la gauche. Regardez ça. Il tire à gauche, mon camion. Non mais. Stop. Est-ce que ça passe? Parce que le problème c'est que... Ouais, c'est pareil. Putain. Ah, je me suis mis dans une merde alors que la sortie est juste là, quoi. Elle est juste là. Putain. Ouais, avec leur problème de direction de merde aussi. Ah, c'est un bordel, les gars. Je parle pas beaucoup parce que je suis en train de m'énerver tout seul là. Déjà, leur bruit ça me casse les couilles. J'arrive pas à sortir de ce merdier de bois là. Putain. Regardez-moi ce bordel que ça fait là. Ça, c'est pas réaliste, franchement. C'est où la sortie là? Putain. C'est ça là, putain. Oh. Mettez des panneaux, je sais pas, faites quelque chose, mais c'est pas comme ça dans la galère là. Allez-moi ce bordel là. Bon. Alors, niveau réalisme, ils ont pas marqué des gros points là. Hein. Focus là, pas terrible. Bref. Montre-moi ce putain de tronc d'arbre où je t'encule, mec. Merci. Oh, ah, ça va vous casser les oreilles, je sais même pas si on m'entend avec cette histoire là. Bon, bref, ensuite. Toi, tu vas me casser les couilles aussi, ton point de merde là, bam, il est où l'autre? Qui c'est qui a mis un point là-bas là aussi? Qui c'est le con qui met des points comme ça? Je voulais aller où? Station service, bien voilà, station service, c'est même pas la peine de demander, il n'y a pas de truc de réparation, ça paraît logique. À gauche. À quel moment un camion comme ça est coincé par des putains de troncs d'arbres par terre? À quel moment? Mais putain, mais tourne pas à gauche! Oh les gars, mais oh, je tourne le joystick à fond. Ouais, ça va. Ça va être impossible. Juste impossible. Regardez-moi ça. Là, je tourne à fond et il veut pas se mettre. Ouais. Tu peux pas conduire quand même comme ça. Tu peux pas conduire. Que ton camion il tire d'un côté, ok, mais que quand tu tournes à droite le volant, bon, le volant il porte pas de l'autre côté. Enfin, je sais pas.
Ils ont voulu faire des trucs réalistes, au final c'est d'un excès. Enfin bon. On va passer en pleine, mais regardez ce bordel que ça fait derrière. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel. Ah, ton moteur il serait déjà mort depuis un moment quoi, si tu faisais un bruit comme ça. Ok, la station service à droite. Est-ce que je suis full en plein là? Ouais, je vais faire le plein. Je vais faire le plein, pas qu'à faire tant qu'on est là. Je vais débloquer le point de vue parce que avec les points de vue on débloque les endroits où il y a les camions, et il y a peut-être un camion utilitaire, du coup ça pourrait me servir. Il y en avait un dans toutes les autres maps, donc s'il n'y en a pas là, il m'a fait le plein là ou quoi? Oh Maurice, tu fais le bon plein là? Oh, aucun module. Ah ouais, ok, c'est bon. Ah, je croyais qu'il allait me dire non, non, je peux pas te faire le plein, mec. T'as pas de réservoir. Hein. Oh, tu es fou, garçon, quoi. Allez, le full en plein. Maintenant, il faut sortir à ce merdier, aller au point de vue. Pas conduire comme des salopes parce qu'on a pas de direction. Ouais, si je prends ce chemin là, vous croyez que ça va où? Ça va pas vers le point de vue, ça en tout cas c'est sûr. Ah si, totalement en fait. Allez. Bon bah du coup. Ouais, c'est. Ça va vers le point de vue, là on va vers le sud. Mais je vois pas où il y aurait pu pour y avoir un attelage, un camion d'attelage, hein, ici. Je vous le dis, vers la gauche. J'ai eu traversé un peu toute la zone. Allez, des braques. Ah, je galère vraiment avec la direction, là je tourne à droite à fond, ça y est. Des moments de latence en fait. Hein. Il est pas aussi réactif et il tourne un peu là où il veut le volant. Quand t'es en train de caler. Comment ça? Ah ouais, il a dit qu'il calait des fois. Ils ont dit qu'il calait avec le. Avec les problèmes là de dégâts là. Donc ça va, il cale pas trop souvent, ils ont pas abusé là-dessus. Heureusement parce que là je pétais des câbles sinon. Il y a pas de chemin à droite. Hein. Non. Parce que là, je vais pas trop vers la bonne direction. On va vers l'est. Et il faudra aller vers le sud. Ouais, Brand, si tu colles toutes les 30 minutes, frère, toutes les 30 secondes, tu vas me faire chier, vraiment. Oh, je vais l'enculer, ce camion. Oh, je vais l'enculer. Entre la direction et le moteur, les gars, si on débloque pas de camion utilitaire dans cette zone, je crois que... Oh là là, oh là là. Je sais même pas si on va aller au point de vue, les gars. Je sais même pas si on va aller au point de vue, ça va m'énerver, mais vraiment. Regardez-moi ça, on peut pas conduire, sans déconner. Oh, tu fais un truc, tu essaies de faire réaliste, mais pas un truc comme ça, gros. Oh. S'en fout, les développeurs, ils sont tarés, quand même. Ils veulent te mettre... Oh, oh, enculé, oh, enculé. Oh, je vais changer de camion, je vais me péter un câble. Péter un câble. Péter un câble. On va partir avec le K700, frérot. Le K700 il marche bien. Il est pas pété. Enfin il est pété mais pas assez. Qu'est-ce que ça me fait ça aussi là? Cette chargeuse de merde là. Je sais même pas comment ça marche là, leur truc là. Tu tournes le joystick vers les côtés pour monter. Ça c'est une logique aussi. Ah, ils sont débiles mon jeu frère, c'est pas possible. Oh putain sans déconner. Bref. Dans quel sens là? Ok, donc là il faut que j'aille à gauche. À gauche. Toujours à gauche. Je sais même pas ce que je veux faire frère, avec ce camion. Non, on va partir à gauche, on va tenter de passer là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a un chemin, on va passer là. C'est quoi, on va passer là? Ça. Et on va aller au point de vue, puisque ça va me. J'ai pété un câble, tout simplement. Du coup on va sortir de cette merde, ok, même pas dans le bon sens ce camion. Frère.
Oui, cette putain de sortie, ça aussi. À quel moment à gauche il y a une sortie là? Ah ouais. J'avais pas vu. Excusez-moi. Légèrement énervé, fils de pute. On va conduire très tranquillement, aller rejoindre le point de vue. Je sais même pas si je vais pas à l'autre point de vue d'abord, hein, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans cette merde de zone là. C'est quoi, je vais pas me faire chier, je vais aller à l'autre. Du coup, je crois qu'il faut toujours aller à gauche. Dans tous les cas, est-ce qu'il faut aller à gauche ici? On a déjà fait ça? Ouais, ok. Il braque zéro ce camion ou ça se passe comment là? Oh, il y a une direction assistée, frérot, elle est où là? C'est pas, il glisse aussi. Oh, il y a des dégâts aussi à celui-là. Non, il n'y a pas de dégâts de direction à 162, je suis désolé. Il tourne pas ce camion, frère. Ah, moi ça, c'est quoi ce camion de merde là aussi? Ah, en ligne droite, il avance bien, mais après, en virage, celui-là, il bégaye. Hein. Il bégaye, mec. Galéré dans ce chemin de merde là. Ici, la batterie est faible. Mais ta gueule, là, la batterie, elle a un foutre, là. Allez. Allez, ça... Putain, mais oh! C'est le cul qui se déhanche, c'est pas moi, hein. Moi, j'y peux rien si le cul se déhanche quand je tourne, mec. Abusé, ça aussi. C'est un sketch, ce camion, là. Ah, tu tournes le cul, il se déhanche, tu prends des dégâts, frère. Ouais, s'il n'y a pas la place de passer, tu veux que je passe comment, mec? Ah, moi ça il tourne pas, ouais. Il est une demi-heure, attendez frère. Et tant que l'autre machin il se déboîte là ou je sais pas quoi, putain de sa mère. Ouais. Ah, moi ce bordel quoi. Ah là là. Au bord de la rupture, les amis, au bord de la rupture. J'en peux plus. Vite sortir de ce chemin de merde et rattraper la route parce que là. Je suis en train de m'énerver. Regardez-moi ça. Quoi. Oh, tu veux partir à gauche. Il part à gauche pendant 30 minutes parce qu'il met une demi-heure à tourner, frère. Ah, moi ça. Oh, je monte là-dessus, mec. Il a des routes de 3 km. Moi, je comprends pas qu'un putain de tronc d'arbre de 10 cm de diamètre te fasse arrêter, mec. T'as des roues de 1 mètre, quoi. Vas-y, relâche-moi ça. On n'est pas encore à la route, là. Oh, enculé, on est loin en plus. Enculé, enculé. Oh, j'aime moi le travail là-bas. Donc je t'encule. Est-ce que ça va prendre en compte l'arbre ou pas? Apparemment non. Tant mieux, parce que là j'aurais pété un câble encore. Même si du coup c'est pas réaliste. Ah tu vois, il veut faire des trucs réalistes dans la direction, par contre le travail mec il passe à travers les armes quoi, ça c'est magique aussi. Ah je vais aller là-bas, tu vois là-bas mec. Par où c'est maintenant? Allez ok, tout droit, tu passes où tu veux. Je vois la route là-bas au fond. Oh c'est aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Oh il commence le feu d'artifice lui aussi. Enculé. On n'est pas le 14 juillet là, il me sort des feux d'artifice les camions là. Putain un mec 200 de dégâts, ça fait quoi sur 600 de dégâts franchement? Ah le truc il en... Ah ouais ok je suis à 400. Ah mais aussi il les donne péter les camions, ça franchement c'est putain de bâtard là. Oh moi je suis un camion il est neuf frère, il est pas pété hein. Il te le donne, il a presque la moitié des dégâts aussi, ça c'est un scandale ça aussi. Tu peux même pas le réparer au garage ça aussi. Tu débloques, enfin bon bref. Je ne vais pas sortir tous les défauts du jeu. Je vais très bien les amis. Hein. Je vais très très bien. Il est parfait. Donc juste qu'il soit une grosse merde. Ah j'ai plus d'essence aussi. Je n'avais pas vu ça. Allez, le l'artifice c'est en l'air là. C'est encore plus réaliste que l'autre. J'arrive même pas à rouler droit avec ce putain de camion de merde là. Alors en plus c'est le problème de direction. Oh c'est pas moi là. Oh là là, c'est abusé quoi. C'est abusé. C'est abusé, ramasse ça quoi. Un truc de 30 cm ça lui fait 25 de dégâts machin.
Faire le camion forestier, frère, ça résiste pas à un arbre. Au bout d'un moment, pose-toi les bonnes questions, mec. Bon alors, on arrive à son putain de camping là. Ok, je sais même pas quoi, c'est quoi ce bordel là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la défense, frère. C'est à Paris là. J'ai dépassé le point de vue. Enculé. Évidemment, il n'y a pas pour remonter. Il va faire une manœuvre avec ça aussi. Il va faire un créneau avec ça, frère. C'est pas sa journée, le créneau. Voilà, je vais mettre un point, évidemment. Parce que sinon, je vais péter un câble encore. C'est où c'est? Il est où son putain de point? Oh, j'ai mis un point. Ah ouais, on voit plus, c'est vrai. Ah, c'était ça le truc rouge, je crois. C'était ça le truc rouge qu'on voyait à la Syrie dans le dernier épisode, là, ou dans cet épisode, je sais même plus. C'était le point où il devait y avoir un point. Il me reste 11 litres, j'avais pas vu. On fait du 45 litres à la minute, frère. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce camion? Avec tout ça, j'ai pas débloqué le point de vue. Et allez, oh, il a fait un petit... Je sais pas quoi, là. Bref, le camion essence, il est où? Putain, c'est un sketch. Cette vidéo, c'est un sketch, les gars. Pas où je passe maintenant pour aller à leur putain de point là. Oh là 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 là, ouais, il faut que je traverse la map. Aïe 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 aïe. Alors, toi tu t'enlèves mon gars, parce que toi tu me casses les couilles. Comme ça, je vais mettre GPS de toute façon. Et on sait même pas lire GPS en mode comme ça là, en mode difficile. Ah putain, on trouve une direction qui marche, un camion agréable à conduire, un camion réaliste, ça fait un bien fou les amis. Franchement ce camion qui te sauve quoi. Bon, il est dégâté tu vois lui aussi, tu vois, il a 191 de dégâts, c'est pas moi qui les ai fait je pense, enfin je regarde mon let's play, mais pas mon épisode mais mon gameplay plutôt. Ok, alors là, il faut que j'aille à droite, ok. J'ai le rond, ça va pas recentrer la caméra là, non. Il me semblait avoir fait un truc qui... Merde, j'ai attelé le treuil. Ok, en fait, quand on fait triangle pour atteler le treuil, ça met le framage, je viens de voir ça aussi. Je l'ai jamais vu. Je savais que le camion s'arrêtait, mais j'avais pas vu que ça le bloquait au framage. Alors, par où il faut passer là? Ok, tout droit. Rattraper la route là-bas, ouais. Ok, bon. Franchement, un camion qui marche, les gars, c'est agréable, hein, regardez ça. Celui-là, il passe partout, regardez. Il s'arrête pas, il peine pas, rien. C'est plaisible à conduire, c'est... Ouais, plaisible, non. Paisible et plaisant, voilà. Vous avez cru, je suis une grosse merde en français, les gars. Cet épisode-là. Alors... Par où c'était, par là. Je pense être sur le bon chemin, donc ça déjà ça fait plaisir, ça fait très plaisir même. Je sais plus où j'ai tourné, je pense c'est là. Non, pas du tout, pas du tout. Je vais peut-être le voir. Là il doit y avoir des camions là-dedans, là, dans ce chemin là. Je vais peut-être le voir au bord de la route mon camion. Ok, je crois qu'il faisait péter, il commençait à faire le feu d'artifice lui aussi, mais non, il rétrogradait les vitesses. Ça ne devrait pas être un champion notre pilote parce que pour claquer les vitesses comme ça. Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Vous savez quoi, je peux me faire chier, je vais y aller avec ce camion, il marche bien.
me faire chier à aller avec l'autre. Bon, allez, ouais, franchement, il sert à rien l'autre camion, ça sert à rien que je gaspille de l'essence. Il est nul à chier. Il m'énerve plus qu'autre chose, donc on va y aller avec ce camion. Qui me convient très bien, c'est le camion du sauveur celui-là. Du coup, voilà, on est au point de vue. Ça fait plaisir aussi. Dites-moi qu'il y a un camion utilitaire. Tout ça parce que je voulais débloquer les points de vue. Et il n'y a pas d'autre camion dans cette zone. Ok. Bon. Bon. Elle est grande cette zone. Elle est très grande. Elle est pas cette map. Le problème c'est que je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire. Là je tourne en rond. Il faudrait que je prenne. En fait, je suis bloqué parce que j'arrive pas à charger. Le mode simulation, les amis, c'est beaucoup trop compliqué. Hein. Je vous le dis. Je suis pas un mec qui va me prendre la tête sur le let's play. Donc, je vous le dis que le prochain, ça sera en mode. Ah, on peut bouger la map avec le pavé tactile. Ça fait un truc très dégueulasse. Mais on peut. Bref, donc, ouais, je vous le dis. Pas prendre la tête pour les prochaines maps, hein. On va partir en mode simple, ce sera beaucoup plus agréable. 65-11, on repart avec lui. Derrière lui, excusez-moi, je suis fatigué. Apparemment, il faut repartir dans là-bas. Ok, bon, ben on va aller charger. De toute façon, on va faire des livraisons qu'avec celui-là, il n'y a qu'avec celui-là que j'y arrive. Donc, c'est con, mais c'est vrai quoi. En fait, dans cette partie, y a rien qui me va. Y a rien qui me va. J'ai un camion pour charger, j'arrive pas à charger les autres, j'arrive pas avec les points de garage. Il faut que je reparte au garage tout en haut de la map. Merci les couilles. Hein. Je vais pas aller là-bas. Hein. Par où je passe là, c'est pareil. Ouais, je suis un dégât, les gars, je suis un dégât. Putain. Pas d'arbre là, je peux passer. J'ai 8 dégâts, je vais essayer de ouais, 8 points de dégâts, je vais essayer de le préserver ce camion. J'y arrive pas autrement. Hein. Oula. Je vais réfléchir pour que je puisse passer. On va passer à gauche et on va retourner à droite. J'ai encore fait un tour, hein. J'ai fait un détour. On peut le dire. Je crois que ce chemin se pratiquait assez aisément. Donc ça fait plaisir. Allez. Ok. J'évite de retourner sur la map parce que chaque fois après je cale parce qu'il faut que je repasse la première et j'oublie. Enfin bref. Vous rappeler, et là je sais plus où il faut aller. Ah oui, il faut longer là. Ah ouais, je suis là, ok. Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour aller direct à la. Si je passais là, si je retraverse ici. Je vois d'ici, ouais, c'est de l'autre côté là-bas. Allez, c'est du fou, mec, on passe un seconde dans l'eau et bah les couilles. J'ai compris qu'il veut pas. Ouais, c'est ça, là, c'est la montagne là-bas là qui doit être le chemin. Ah bah, on va rouler au bord. Ça devrait passer. Ouais, du coup là, ouais. Faudra que je reparte. Faudra que je fasse tout ça avec le bois. Il y a trop d'eau là, vous croyez?
on avait pas du tout d'eau en fait. Notre seul chemin, fin de chemin. Ce qu'ils appellent le chemin. Je vais essayer de pas retourner mon camion, hein, parce que ça, ça serait le pompon sur le... Bref, hein, vous avez compris l'expression. Ça serait... Ouais, j'ai fait un mix en fait. C'est quoi le truc? Le truc de base, c'est la cerise sur le gâteau. Et moi, j'ai dit, ça serait le pompon. Bref, j'ai dit de la merde. Il n'y avait pas un chemin là. Ok. Parce que là en fait je suis totalement en train de rouler dans un lac quoi, c'est totalement débile. Mais je suis en train de... Normalement je rattrape un chemin. Ce qui m'inquiète c'est que là il y a beaucoup d'eau. Ouais, si je roule au bord comme ça passe, ok on rattrape le chemin là-bas. En fait il n'y a pas du tout... En fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'eau mais il n'y a pas du tout d'eau en fait. Sur la map j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de traits rouges, enfin de des traits rouges assez longs, ça doit être là bas bref. Ok là ça grimpe tranquille. Putain, il carbure quand même ce camion, j'ai sous-estimé. Ouais, je crois que je suis à la droite, hein. Ouais c'est bon, c'est à droite. On arrive au kiosque. 3 rondelles pour pouvoir tout empiler. Ok, faut que je passe la deuxième, tranquille, dis-le frère. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter à la Syrie pour cette vidéo les amis. Ce sera un petit peu plus court, enfin j'ai aucun repère de temps, hein. J'ai pas lancé de chrono. Elle sera un peu plus courte que d'habitude, mais je tournerai demain plutôt, parce que là... Je fais les choses mal quand je suis énervé. Tout simplement, j'ai pété des camions, j'ai fait n'importe quoi. On a réussi à ramener ce camion sans dégâts, les amis. Franchement, pour ça, on peut s'applaudir. Je crois que c'est le premier camion qu'on ramène sans dégâts dans cette vidéo. Et je vais me charger. On se chargera sur la prochaine vidéo, les rondins, et on partira livrer à la Syrie. Parce que ce camion est une valeur sûre, tout simplement. Et ce camion est le seul camion... qui me va, même s'il nous a fait tomber en panne, presque tomber en panne. Voilà, hop, on va se foutre juste un peu mieux. Je vais pas enclencher la marche arrière, juste qu'ils me disent que je suis droit. Voilà, là je pense que je suis droit. Du coup les amis, merci d'avoir suivi cette petite vidéo tranquillement, épisode 12 de ce let's play. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.